Comme chaque année, Karine Ferry se rend dans le sud de la France. C'est vers Saint-Raphaël que l'animatrice a posé ses valises afin de se reposer en famille depuis le 31 juillet. Encore en vacances, la belle en profite pour faire des longueurs dans la piscine suivie de shooting photo. Toujours vêtue de maillot de bain de la collection Orza, elle en met plein la vue à ses followers. Que cela soit en bikini ou en maillot de bain une pièce, la campagne de Johan Gourcuff pourrait être l'égérie de charme de la marque Orza. Ainsi, on voit la jeune femme posée sur différentes bouées. Ce dimanche 27 août, on peut la voir allongée sur une bouée, vêtue d'un tout petit bikini blanc laissant apercevoir son corps de rêve. Si vous pensez que Karine Ferry avait résisté au fameux appel de la bouée flamant rose, vous aviez tort. En effet, ce lundi 28 août, la belle a remis le couvert de la bouée, mais cette fois-ci, avec la star des photos de cet été, le fameux flamant rose. C'est cette fois-ci, vêtue d'un maillot de bain noir, que la belle montre un décolleté plongeant qui a ravi ses fans qui se sont empressés de commenter. Pourquoi j'ai soudainement envie de devenir un flamant rose? Tu es magnifique! Une chose est sûre, la présentatrice a l'air de passer d'excellentes vacances.